Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Miami Beach où j'ai participé au mastermind d'Olivier Seban. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est Olivier, tu voyages beaucoup, comment tu fais pour gérer le jet lag pour ne pas te faire assommer par le jet lag? Donc en fait, j'ai une technique très simple que je vais partager avec vous qui fait une grosse différence pour moi. Mais avant, en complément, vous êtes libre de recevoir également mon livre « Zen et heureux » qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus heureux dans votre vie. Pour le recevoir, vous cliquez simplement sur la couverture là ou sur le lien qui apparaît ici. Vous allez sur olivier-roland/zen. Alors, quelle est cette méthode simple? Eh bien, c'est la suivante. Dès que vous rentrez dans l'avion, vous vous mettez immédiatement à l'heure d'arrivée, à l'heure du pays où vous allez. Donc, admettons que vous prenez un vol Paris-New York, à l'instant même où vous rentrez dans l'avion, vous enlevez 6 heures à toutes vos montres. Et quand je dis toutes vos montres, c'est votre montre, votre iPhone, votre ordinateur, tous vos périphériques. Et vous ne devez plus penser qu'en termes de cette horreur locale de votre lieu d'arrivée. Pourquoi ? Déjà, vous avez une dimension psychologique qui est non négligeable. Je vois des gens qui arrivent aux États-Unis et encore une journée après être arrivé, il résonne encore en heure française. C'est une grave erreur psychologique. C'est une des choses qui vous empêche de vous adapter rapidement dans le pays où vous arrivez. Deuxième chose, dans l'avion, vous allez agir comme si vous étiez dans le pays en question d'arrivée. Ce qui veut dire que s'il fait jour dans le pays d'arrivée, vous n'allez pas dormir dans l'avion. A contrario, s'il fait nuit, vous allez vous autoriser à dormir. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que vous allez vous adapter beaucoup plus rapidement. Donc, je reprends l'exemple de mon vol Paris-New York. Donc, entre Paris et New York, il y a moins 6 heures. Donc, quand il est 20 heures à Paris, il est 14 heures à New York. Si vous prenez un avion qui décolle à 20 heures, il va mettre à peu près, je sais pas, 6 heures pour arriver à New York. Du coup, il va arriver à 6 heures. Pour vous, en temps local de France, il sera 3 heures du matin. Si vous avez fait l'erreur de dormir dans l'avion, vous ne serez pas aussi fatigué. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez probablement vous endormir en arrivant à New York, mais votre corps, comme il est encore adapté à l'heure française, il va vous réveiller très tôt. Il va vous réveiller à 3h, 4h du matin parce qu'on a cette horloge qui nous dit « Hey, faut absolument que tu te lèves pour aller chasser le mammouth, sinon tu vas mourir de faim. » Ok ? Et le problème, vous allez vous réveiller à 3, 4h du matin et vous allez être incapable de vous rendormir. Et puis du coup, après, vous allez peut-être dormir à nouveau dans la journée, ça va vous décaler complètement. Le mieux, vous ne dormez pas dans l'avion, vous attendez jusqu'à 23h minuit quand vous arrivez à New York. Et vous vous endormez uniquement à ce moment-là. Vous aurez un déficit de sommeil. Du coup, vous avez beaucoup plus de chances de faire une nuit complète. Vous allez peut-être vous réveiller à 3-4 heures du matin parce que votre corps va vous dire « Hey, faut que tu ailles chasser le mammouth !» Mais vous serez tellement fatigué que si vous vous rendormez tout de suite, vous avez des chances de pouvoir vous réveiller à 7 heures. Du coup, vous aurez fait une nuit complète qui sera complètement adaptée à la zone, à l'heure du pays dans lequel vous êtes. Et ça fonctionne dans les deux sens. Si vous faites… j'avais fait un vol Amsterdam-Taïwan, Taïwan-Philippines et j'avais mis un point d'honneur, ça va durer genre 14 heures, à ne pas dormir en dehors des heures de sommeil des Philippines. Comme ça, quand je suis arrivé, j'étais complètement crevé. J'ai encore tenu jusque la fin de la journée et quand je me suis endormi comme un bébé. C'est une technique simple et qui fonctionne extrêmement bien. À côté de ça, vous pouvez rajouter des trucs. Je prends aussi de la mélatonine qui aide à s'endormir. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une lampe qui sert à lutter contre les dépressions infernales, comme une Go Light de Philips par exemple. Ils en font une version de voyage avec des LED bleues. Et justement, ça aide aussi à lutter contre le décalage horaire. Quand vous vous levez le matin, vous prenez une bonne cure de lumière et ça vous aide en partie. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir en complément mon livre Zen et heureux en cliquant sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien qui apparaît ici ou en allant sur olivier-roland.tv/zen si vous ne pouvez pas cliquer là sur votre appareil. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo en complément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.